comme dans la coutume. Les élèves de la maternelle du complexe scolaire Lucalinus n'ont pas dérobé à la règle. Tel qu'inscrit dans le calendrier scolaire, chaque élève s'est illustré avec son métier de choix une fois fini son cursus scolaire. La directrice de cet établissement scolaire privé donne la quintessence de la journée. Avec cette carnaval météo, on a voulu assez que les enfants puissent comprendre les phénomènes du ciel. Donc tout ce qui se passe au ciel, quand ils voient la pluie, qu'ils comprennent que c'est un phénomène météorologique. À se préparer par rapport à ce que le temps fera pour la journée. Par exemple, vous pouvez vous préparer en apportant votre parapluie, par exemple parce que la météo a prévu qu'il y aura la pluie. La météo a annoncé qu'il y aura par exemple le soleil. La météo peut prévenir qu'il y aura les tonnerres, qu'il y aura des tremblements, qu'il y aura des vents violents. C'est ce que les enfants vont retenir par rapport à la météo. Contrairement aux années antérieures, le thème retenu pour cette année est tout à fait particulier. Temps et calendrier. Alors, dans ce sous-thème de fête, nous avons choisi aujourd'hui de présenter notre carnaval sous le thème des carnavals météo. Avec cette carnaval météo, on a voulu assez que les enfants puissent comprendre les phénomènes du ciel. Donc tout ce qui se passe au ciel, quand ils voient des réjouissances, pendant cette réjouissance, les enfants vont se déguiser, ils vont porter les différentes tenues. Dans cette tenue, ils vont retenir que nous, dans notre classe, nous étions déguisés, par exemple, en pluie. Les bambins du complexe scolaire Lucalinus ont arpenté les grandes artères de Colosi, partant de leur établissement scolaire en passant par les avenues Louboudi, Dilolo et tant d'autres pour faire valoir la journée.